Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace de reliance à vous-même et à la nature. Je vous invite à préparer votre tapis, un tapis en tissu ou un tapis de yoga. Et puis simplement venir pour commencer vous asseoir. Ça peut être en tailleur, on privilégie ne pas croiser les jambes pour la circulation énergétique. Voilà, comme ceci. Un talon devant l'autre, et puis sinon si vous êtes plus à l'aise dans la posture du diamant à genoux, voilà, dans la posture de votre choix, de sorte à avoir la colonne vertébrale bien alignée, avec un petit coussin pour surélever votre assise, hein, de sorte à pouvoir avoir le bassin le plus agréablement placé pour vos lombaires et pour l'alignement de votre colonne vertébrale. Voilà. Une fois que vous êtes bien installé, eh bien, je vous invite simplement à vous détendre. On va commencer par un temps d'ancrage, de présence, de connexion à votre présence et à votre reliance à la terre, avec une respiration douce et profonde. Vous pouvez fermer les yeux, poser les mains sur vos genoux vers la terre. Ressentez simplement votre assise, la musculature, les tissus, votre bassin en reliance avec le sol. Et respirez tranquillement par le nez, à l'inspire et à l'expire. Cas où vous auriez le nez bouché, bien sûr, vous pouvez utiliser la bouche et tant que possible favoriser la respiration par le nez. Vous laissez bien votre ventre se détendre et à chaque inspiration, vous allez allonger la colonne vertébrale, étirer légèrement le sommet du crâne vers le ciel, le menton légèrement rentré. À l'inspire, ressens que tu accueilles l'air dans toute la sangle abdominale, puis dans la poitrine, tu ouvres l'espace du cœur, et à l'expire, tu te détends un peu plus, tu relâches les épaules, la musculature des bras, du visage, des jambes. Et à nouveau à l'inspire, tu ressens l'air que tu accueilles dans tout ton bassin, dans ton dos, tout le long de la colonne vertébrale. Ok. Nous allons sonoriser ensemble. Donc pour cela, simplement, je t'invite à inspirer en laissant le ventre se détendre, accueillir l'air. Et sur l'expiration, sonoriser par le son qui se présente à toi. Tu peux choisir par exemple une voyelle. Alors, je vous invite à commencer par le A pour cette fois-ci, simplement pour laisser la mâchoire se détendre et pouvoir avoir un son vraiment en ouverture, voilà. Et laissez vraiment la vibration vous parcourir pleinement et ressentez à chaque inspire que vous prenez bien le temps de laisser votre ventre se relaxer pour accueillir l'air dans tout l'espace disponible. Allons-y ensemble. Inspirez profondément et sonorisez, relâchez bien la mâchoire. Faites-le vraiment à votre rythme et si vous sentez quelconque blocage, bien allez-y plus fort, plus largement. Et vous pouvez bien sûr varier les tonalités, encore quelques fois ensemble. Ah.
dernière fois. Puis inspirez, expirez tranquillement, les yeux fermés, observez, ressentez l'énergie qui circule en vous. Ramenez les mains jointes à l'espace du cœur. Puis inspirez dans la poitrine, ressentez l'espace du cœur, au centre de la poitrine, cet espace de douceur et de bienveillance. Et expirez, faites une légère pression entre vos mains. Chargez vos mains de cette douceur, de cette bienveillance. Inspirez dans l'espace du cœur, toujours avec la sensation de votre bassin bien ancré à la terre. Et expirez, c'est une légère pression entre vos mains. Ressentez vos paumes en contact, se charger de cette énergie de l'espace du cœur, en reliance avec la terre. Inspire, relâche la pression, ressens vraiment l'espace du cœur s'ouvrir. Expire, appuie légèrement entre tes deux mains, concentre cette énergie entre tes paumes. Une dernière fois. Et puis inspire, monte. Expire, ramène. Trace ton canal central, canal de lumière, terre, ciel. Reviens à l'espace du cœur. Inspire. Reliance, terre, ciel. Expire, ramène à l'espace du cœur. Ok, une dernière fois. Puis ouvre. Expire tranquillement. Et ramène les deux paumes de main sur l'espace du cœur. Les paupières closes, prends un temps d'observation, détends bien tes épaules, ton visage, tes cuisses. Si tu ressens quelconque frein, n'hésite pas à inspirer, expirer plus fortement. Si l'espace mental s'anime ou que tu ressens une légère tension dans le corps physique, inspire dans cet espace, qu'il soit mental, émotionnel ou physique, et expire, accompagne la libération de cet espace, quelques fois encore. Et si tout est ok, simplement concentre-toi sur l'inspire et l'expire dans l'espace du cœur, le corps relaxé. Ok, puis reviens tranquillement en rouvrant les yeux, en ressentant toujours ton assise. Puis nous allons passer ici accroupi, pied largeur bassin. S'il est difficile pour toi d'être accroupi, tu peux simplement placer un pied devant, un genou à la terre et venir prendre appui ici pour te placer en dos rond. Si vous êtes accroupi, vous partez les mains à la terre, la tête bien relaxée, les épaules relâchées. Vous déployez les genoux en expirant. Vous relaxez bien les épaules, les bras, la tête, les genoux souples. Et vous commencez à dérouler le dos à partir de l'espace lombaire. Vous gardez vraiment les bras, la tête relaxée jusqu'à revenir dans votre verticalité tout en douceur.
Ici, vous placez les pieds, largeur des épaules pour vraiment être en ouverture. Et vous allez même amplifier deux fois la largeur des épaules. Vous ouvrez les pointes de pied pour ouvrir l'espace du bassin. Bassin sacré en reliance avec la terre, ici. Voilà, simplement, vous allez fléchir les genoux. Ressentir la verticalité, votre colonne parfaitement alignée. Le coccyx dirigé vers le cœur de la terre. Et le sommet du crâne, votre belle couronne, en reliance avec l'univers. Menton légèrement rentré pour allonger votre nuque. Les mains posées sur les cuisses. Concentrez votre attention sur vos pieds. Vos pieds. Des talons jusqu'aux orteils. Prenez simplement un temps, les paupières closes si possible. Si ça tangue trop, vous rouvrez les yeux. Okay. Et vous inspirez, expirez lentement, sans effort, en ressentant la force de gravité sous vos pieds. Ressentez la force de gravité sous vos pieds qui s'amplifie à chaque inspire, à chaque expire. Si la tension commence à se faire un petit peu forte, vous pouvez bien sûr déplier les genoux en laissant vos genoux souples, une très légère flexion. Si vous êtes à l'aise, je vous invite vraiment à descendre dans votre assise, dans la flexion, et à ressentir cet ancrage qui s'amplifie. Je vous invite à vous relier aux énergies de la terre simplement en posant cette intention. Vous pouvez aussi placer les paumes de main dirigées vers la terre. Okay? Les épaules toujours bien détendues ainsi que votre visage. Vous allez inspirer en vous concentrant sur l'espace du cœur et expirer, vous concentrez sur l'énergie de la terre. Inspire dans l'espace du cœur. Expire vers le cœur de Gaïa. Inspire dans l'espace du cœur. Si besoin, tu peux placer une main sur l'espace du cœur. Oui, on va faire ça. Une main sur l'espace du cœur et une main vers la terre. Inspire, connecte-toi à ton temple intérieur, à ton cœur sacré, à la douceur, à la bienveillance. Et expire, connecte-toi au cœur de la terre. Simplement en posant l'intention et tu laisses circuler l'énergie et le souffle. Tu peux prendre un temps pour visualiser ton cœur et le cœur de la terre en reliance. Et simplement, là, nous allons changer le voyage de la respiration et de la concentration avec à l'inspire, tu ressens l'énergie de la terre, du cœur de la terre, remonter par tes pieds, le long de tes jambes, jusqu'à ton cœur. Et à l'expire, l'énergie du cœur qui traverse, qui s'écoule le long de ton corps, de ta colonne, de tes jambes jusqu'à tes pieds pour aller rejoindre le cœur de la terre. Un échange énergétique, bienveillant, confiant en toi, en reliance avec la terre. Concentre-toi sur le cœur de la terre, inspire et ressens simplement tes pieds à la terre et l'énergie qui remonte le long de tes jambes jusqu'à l'espace du cœur. Puis expire, laisse aller ton énergie d'amour et de douceur s'écouler dans tout ton corps jusqu'au bout des doigts, au bout des cheveux et jusqu'au bout des pieds pour venir plonger au cœur de la terre.
Prends ton temps et allonge l'inspire et l'expire. Puis si tu souhaites, ressens et laisse ton corps se mettre en mouvement pour accompagner justement cette circulation du cœur de la terre vers ton cœur et de ton cœur sur l'expire vers le cœur de la terre. Voilà. Vraiment active ta propre danse, ton propre mouvement intuitif, reliance, cœur de la terre, cœur sacré. J'inspire, j'accompagne la reliance, cœur terre, cœur sacré. Et j'expire, j'accompagne mon flux d'énergie bienveillant, confiant, aimant vers le cœur de la terre. Si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à fermer les yeux pour vraiment te laisser vivre le mouvement à l'écoute parfaite de ton énergie en reliance avec l'énergie terrestre. Et vraiment te laisser danser le mouvement avec cette intention d'expanser cette énergie du cœur sacré en reliance avec la terre. D'amplifier ton ancrage, ton alignement terre-ciel et ton énergie de vie. Si d'autres intentions se propose à toi, se présente à toi, vraiment laisse-les circuler et puis tu peux aussi les déclarer à haute voix. Et si j'amplifie mon ancrage, mon alignement et j'expanse, j'amplifie mes fréquences, j'élève mon taux vibratoire. J'active ma sphère de lumière et j'amplifie. J'amplifie par le rayonnement solaire, par la force des élémentaux et par mon intention depuis l'espace-cœur. Okay, encore quelques inspires, expires avec le mouvement de ton corps, de ton cœur. Puis reviens tranquillement, les mains posées sur l'espace du cœur. Observe, ressens comment ça circule en toi. Puis rouvre les yeux. Joins les appuis. Les pieds. Un temps d'équilibre, d'équilibre en reliance avec un arbre. Travail d'équilibre du corps physique, mais aussi équilibre énergétique, équilibre psychique. Vraiment l'équilibre intégral pour garder pleinement son alignement et sa confiance en chaque instant. Je t'invite simplement à prendre un
un temps déjà de reliance avec un arbre de ton choix. Laisse-le se présenter à toi. Tu peux fermer les yeux à nouveau. Ça peut être aussi un arbre qui se trouve derrière moi en ce moment. Ça peut être un arbre de toute nature. Laisse-le vraiment venir à toi et accueille-le dans son entièreté, des racines jusqu'au bout des feuilles. Et ressens à nouveau tes pieds, ton ancrage à la terre. Puis ouvre les yeux et prends un point fixe devant toi, dans ton horizon. Et place le poids du corps sur ton pied droit. Tu places le poids du corps sur ton pied droit. Ok. Tu peux placer tes bras de chaque côté ou les garder centrés à l'espace du cœur. Varier les postures de ton choix. Simplement place le poids du corps sur un pied et avec l'autre pied, place-toi sur la pointe. Ressens. Simplement. Deviens cet arbre. Incarne-le. Laisse-le vraiment te parler et venir se placer en toi. Qu'il puisse pleinement t'apporter sa puissance d'ancrage, sa force d'équilibre de l'instant. Et toutes les qualités dont tu as besoin en ce moment présent. Continue à respirer tranquillement et voilà, laisse ton arbre se déployer en maintenant la posture ou en la faisant évoluer selon ce que tu ressens. Laisse-toi pleinement imprégné par ces vibrations. Puis à ton rythme, quand tu sens ta cheville commence à être dans l'effort, et bien tout doucement, relâche. Prends un temps d'observation, les paupières closes, un instant, les pieds joints. Place le poids du corps de l'autre côté. Tu ouvres les yeux pour reprendre un point de concentration. Et tu laisses à nouveau l'arbre émaner en toi, prendre sa place dans son équilibre parfait. Continue à respirer tranquillement. À accueillir toutes les fréquences de la nature qui sont présentes en ce moment. Dont j'amplifie ici et maintenant la circulation vers toi. Inspire, expire dans l'espace du cœur, dans ton ancrage pleinement. Si tu sens la cheville qui commence à être douloureuse ou ça commence à être difficile, repose les pieds au sol tranquillement.
tout en douceur. Les pieds joints, je t'invite à prendre un temps d'observation, les paupières closes. Un temps de gratitude. Et puis ton cœur sacré. En reliance avec l'arbre t'a accompagné durant cette pratique, ainsi que tous les élémentaux en présence. Gratitude envers la terre et envers toi-même, bien sûr, en ta présence. Laisse circuler. Inspire, ouvre l'espace du cœur, ouvre les jambes, prends une posture de confort, d'ouverture. Simplement, tu demandes à ton corps de s'ouvrir, à recevoir encore plus de paix, de joie, d'harmonie. Voilà, laisse ton corps un instant s'exprimer de manière très intuitive, faire circuler toutes ces énergies. Les élémentaux activés. Voilà. Encore quelques respirations en mouvement intuitif avec amplification de ton énergie, de ton champ énergétique. Puis tranquillement, ensuite, je t'invite à enrouler le dos et venir t'asseoir à nouveau ou en diamant ou en tailleur. Ressentir. Et si tu souhaites, tu peux compléter cette pratique avec une méditation guidée, un temps de relaxation avec des fréquences de douceur et d'amour, 432 Hz par exemple. Voilà, tu peux retrouver différentes méditations guidées sur mon espace vidéo, sur mon site Bien-être en Action, si tu souhaites prolonger la pratique. Ou à tout moment de la journée, si tu ressens le besoin de te recentrer, de t'apaiser, voilà, de t'expanser. Je te dis à tout bientôt, prends soin de toi. Tu peux aussi appliquer les pratiques de massage le soir avant de coucher. Là aussi, tu trouveras plein de vidéos d'automassage sur mon site Bien-être en Action. Voilà, j'espère que ça t'a fait du bien, que tu te sens